Aujourd'hui, Anthony accompagne Michel, chasseur suisse passionné de chamois, en Nouvelle-Zélande. Bon, prêt pour son voyage, Michel ? Eh ben, on est au paradis. Après des escales par Londres, Los Angeles et Auckland, nos chasseurs arrivent à Queenstown. Alors on a mis les pieds sur la terre de Nouvelle-Zélande. C'est là que les cerfs brament et peut-être qu'ils vont trépasser. Sur place, c'est Matt qui les accueille et les transporte en voiture jusqu'à Wanaka Lake, première étape du voyage. Arrivé à un premier lodge et reçu avec convivialité, Anthony et Michel se remettent de leur décalage horaire. En attendant l'hélicoptère qui les amènera sur le premier territoire de chasse, notre groupe profite de ce moment pour vérifier le réglage de la carabine. Non, la carabine est réglée. Oui, oui. Michel est passionné de chasse au chamois. Alors, avant de se lancer à la poursuite des cerfs tant convoités, Anthony veut faire découvrir à Michel la chasse du chamois en Nouvelle-Zélande. Déposés sur une arête, nos chasseurs sont en plein cœur du territoire des chamois. Faire ce qu'on a fait en hélico là, c'est faire les 6 fois les areuses ou je sais pas, sardinal ou magnifique. Male, tu sais. 3 here, maximum 4. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un petit mâle, 3-4 oui, ans. Oui, oui. La vue, quand tu es sur une arête, quand tu arrives sur une tête, la vue, elle s'étale à des... Ici, tu as... C'est vaste, c'est vaste. Ça, par contre, c'est sympa hein, d'avoir les chamois et les cerfs au même endroit. Hein. Yes, yes, it's good. Hey. Merci, merci. Un chameau de Nouvelle-Zélande. Un chameau de Nouvelle-Zélande, oui. Beautiful stuff. Bon, beautiful stuff. Une belle chasse, hein? Oui. Voilà la chasse d'ouverture. Et les chameaux ont pu venir se réfugier en Nouvelle-Zélande, mais on les a rattrapés. On les a rattrapés. Cette première journée touche à sa fin, et c'est avec un joli spécimen prélevé que nos chasseurs appellent l'hélicoptère qui les amènera à leur lodge. C'est
qu'il fallait mourir pour être au paradis des chasseurs, mais non. Là, je me pince, je suis toujours vivant. Je suis là avec deux amis fantastiques. Alors, c'est vrai, il y a le paradis sur Terre aussi. Super. Aujourd'hui, deuxième jour de chasse, on part au cerf, à l'approche. Après un petit déjeuner copieux, nos amis se font transporter en plein cœur du territoire des cerfs. La journée s'annonce belle et chargée en émotions. 8 heures, ça fait 5 heures de marche qu'on fait pour arriver sur le territoire des cerfs. Là, on est déjà rincé avant de commencer, on n'en peut plus. C'est Cody, guide local, qui les accompagne. Ce territoire, il le connaît, et ses habitants aussi. Attaquez. Il est comme ça. Il a au moins 30 cm de plein, et 50 cm de noir. C'est incroyable. On est à 1800 mètres. On est dans une altitude qui est dans le biotope, vraiment dans le biotope des cerfs. Ici, je viens pour tirer le cerf de ma vie. Quoi. On ne vient pas me dire que c'est dans des plaines et qu'il est rapatrié comme un troupeau de moutons. C'est pas vrai. C'est montagne. C'est vraiment un coin idyllique. Moi, je n'ai pas d'autre terme que fantastique. Oui, il est superbe ce cerf. Hein. Waouh. Non, je pense qu'écoute, on continue. On continue, on va en chercher un autre. Allez. Ah, écoute, là, je t'ai soigné. Hein. Là, j'en ai trouvé un beau. Hein. À 850 mètres. 850 mètres. Oui, mais ce que je te propose, c'est qu'on l'approche et puis on mangera quand on aura du sang sur les mains, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Qui se mettent de profil. Là, il est vraiment trois quarts arrière. Prends pas le risque. Je l'ai commis faux. Non, mais il est de cul. Non, mais quand il s'arrêtera, tu le prends si jamais il est bien. Il veut pas ça. Quand il s'arrête, tu peux le tirer. It's good hit. Encore. First shot was good. Yes. Il y est. Il est tombé. Ouais. Oh. Parfait. Hey. Grâce, Madina. Je croyais plus. Hey. Oui, Dieu.
Thank you, Gody. No problem. Je croyais plus. J'ai dit non. T'as vu, il s'est pas arrêté. Sur combien de mètres il s'est pas arrêté? The dream comes true. 3 hours. Stay here. Yes. It feels like 3 hours. C'est 3 heures qu'on était là. 3 heures qu'on est ici. T'as pas envie d'aller le voir maintenant? Ça faudra bien, hein. Allez. Merci encore. Hein. Grâce à vous deux, on a tiré ce truc qu'on avait décidé. C'est ça qui est beau, la chasse est belle parce que ce matin on l'a repéré d'au moins 700 ou 800 mètres. On a mis 5 ou 6 heures pour l'approcher. On est resté pendant 3 heures au poste. 3 heures à la même place. Parce qu'il était couché. Et puis, Michel lui fait un super tir à 240 mètres. C'était pas facile parce que même moi j'étais engourdi, j'en pouvais plus. Hein. Bon, j'ai le cotchon. Le résultat est là. Yeah! Yo! Que dire plus? Vous voyez le résultat? C'est toujours du concret qu'on a sous la main. Là. Mais merveilleux, quelle journée! Avec Cody, avec Anthony, mais une journée mais fabuleuse! C'est irréel, c'est magnifique. C'est quoi le rêve? Ben, c'est ça, c'est rester éveillé quand on vit cette passion-là.